Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel est né en 2004, 2 ans après les États généraux de la presse tenus en 2002. Il regroupe les patrons des différents organes de l'audiovisuel et de la presse écrite autour d'un idéal commun, la défense des intérêts des entreprises de presse. Lorsque vous siégez au patronat, vous y siégez en qualité promoteur d'organes de presse. Donc, le patronat, le CNPA, en relation avec la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, et avec les autres unions, comme l'ODEM, la Maison des Médias et tout, veille et contribue à l'aboutissement des chantiers que nous avons en commun. Ainsi, en 12 ans, les différentes mandatures du CNPA ne sont pas restées inactives. Vous avez vu le CNPA réagir quand il s'est agi de suspendre certaines télévisions. Le CNPA réagit quand on a retrouvé, par exemple, certains organes de presse en agonie. On peut dire qu'il y a eu un petit élan puisque aujourd'hui, le CNPA a fortement contribué à l'avènement du code de l'information dans notre pays. Donc, sur ce chantier-là, le CNPA s'est montré très actif. Tout de même, pour certains professionnels des médias, le CNPA Bénin n'a pas encore réussi à mener fondamentalement les actions qui permettraient de le rendre visible. Quand on a dit que les contrats avec les organes de presse sont suspendus, on n'a pas eu un effet d'éclat. C'est l'UPMB qui a réussi à se prononcer sur la question. Or, la suspension des contrats relève fondamentalement des patrons de presse, puisque c'est eux qui vont chercher les contrats et qui payent aux employés. Moi, j'ai été surprise de constater que c'est plutôt les employés qui se sont plaints du fait qu'il y a eu la rupture à ce niveau. La cinquième mandature du CNPA Bénin, qui vient de prendre fonction, a donc de nombreux défis à relever pour un rayonnement effectif de la presse béninoise.